Bravo monsieur Poli, vous méritez vraiment tout le respect parce que ce n'est pas un grimpeur, ça se voit sur ces images, mais quelle souffrance il a dû endurer pour résister comme ça au retour d'Induren et des autres. Il reste 40 km dont beaucoup de descentes, le coup va être jouable peut-être. 130 km qu'Eros Poli lutte seul. 130 km et l'ascension du Ventoux, ça fait beaucoup et je trouve que Eros Poli s'est très très bien défendu. Formidable. Il a très bien su gérer son avance et gérer son effort. Et je crois qu'Eros Poli va se dire qu'il va aller chercher le produit de son effort. Oh là là, il fait l'extérieur là, pour aller chercher ce virage, que c'est dur. Ce virage, le dernier virage là sur la droite est très très pentu hein, si on le prend à la corde. Donc il a mal. Si, ça va un petit peu mieux, mais. J'ai beaucoup peur pour Eros Poli, on l'avait dit au départ, qu'il pouvait passer le sommet en tête, même si on n'est pas sûr. Maintenant, nous sommes certains. Par contre, la descente et le plat qui vont suivre vont être très très durs pour Eros Poli. Il faudrait qu'il bascule avec 8 minutes au moins. Voilà, Eros Poli est passé. La flamme rouge pour Poli est au classement général par équipe. Eh bien, les Festina font une énorme opération par rapport au Banesto, au Mapei, au Castorama. C'est vraiment peut-être aujourd'hui le grand succès de cette étape, en plus de Eros Poli, qui va illuminer son visage d'un immense sourire maintenant, après avoir versé des larmes, lui qui était plus habitué aux performances par équipe. Allez, on vous laisse apprécier la victoire de Eros Poli, l'exploit du jour. Ce Tour de France, décidément, se nourrit d'exploits. Aujourd'hui, le héros, c'est lui, Eros Poli. Ah, il peut lever les bras. Il est parti au 60e kilomètre. Il est seul, regardez. Formidable. Il a le sens du spectacle, il mérite l'ovation du public de Carpentras. Eros Poli, extraordinaire exploit. Un garçon qui rentre aujourd'hui dans l'histoire du Ventoux. Vainqueur, regardez son équipier derrière, ça, il jette. Oh, c'est très très joli. On va le féliciter, il le mérite. Eros Poli, vainqueur de l'étape du jour. Bravo monsieur Poli. Vous êtes un grand dans tous les sens du terme.